si est son havre de paix. Si est à proximité de la forêt de Fontainebleau que Pierre Palmade s'est établi en 2020. L'humoriste, impliqué dans un grave accident de la route survenu ce vendredi, a fait l'acquisition de la grande propriété, à la façade de Pierre, à Célie-en-Bière, en Seine-et-Marne. Un bien dont la star a fait le choix de se séparer, cela fait plusieurs semaines qu'elle est en vente auprès de l'agence immobilière Barbizon Prestige. Les agents ont dévoilé sur leur site de nombreuses photos de la propriété de 425 m² habitable sur une parcelle de terrain de 5371 m² clos. À l'intérieur de cette maison ancienne, rénovée au goût du jour, au rez-de-chaussée, une réception de 67 m², une cuisine aménagée, une suite parentale ou encore un salon. À l'étage, on retrouve une autre suite parentale et 3 chambres, dont 2 avec mezzanine, ainsi qu'une salle de billard. Et pour pouvoir accueillir encore plus de monde, le bien possède également une maison d'amis. Sur les photos se trouve le mobilier appartenant à Pierre Palmade. Son prix, 1,365 millions d'euros. À découvrir supérieur à Laetitia et Johnny Hallyday, découvrez l'intérieur de la villa de Marne la Coquette en vente, photo Pierre Palmade, ici, tout le monde s'est fédéré autour de moi sa vie à Célie-en-Bière, Pierre Palmade l'avait raconté aux Parisiens. En 2020, il recevait les journalistes du quotidien national pour un tour du propriétaire. Cette maison me protège, vraiment, je lui cherche un nom et ce pourrait être la mama, tant je m'y sens bien, confiait-il, avec superstition. Et dans le petit village francilien, Pierre Palmade jouissait d'une vie paisible, proche de l'anonymat. Quand j'ai eu ces déboires médiatiques, tout le monde s'est fédéré autour de moi, ici, on me disait, on est avec vous, vous êtes un des nôtres, avait-il expliqué. Un écrin qu'il avait finalement décidé d'abandonner. On your